Wow, je commence à avoir les coins leasing là. Ouais, il faut que je passe chez le coiffeur. C'est compliqué. Ok, aujourd'hui jour 8, début de semaine. Et là, je vais exaucer vos vœux. J'ai eu pas mal de recommandations sur une story Instagram. Et oui, ce jour est arrivé. Aujourd'hui, Afrodrill. Afrodrill. Let's go, on part pour l'épisode 8. Avant de démarrer l'épisode, j'ai une chose à vous dire. Il y a le clip de Leko, donc c'est une artiste avec qui j'ai collaboré dernièrement, qui est sorti hier sur une de mes prods. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Allez streamer ça, le son il est lourd. Et puis let's go. On file direct sur quoi? Sur FL Studio. Aujourd'hui c'est Afrodrill. Tout de suite d'entrée, on va partir sur de la guitare. On va pas mettre beaucoup d'éléments. Et puis après, bah forcément, on va partir sur une partie afro, une partie drill. Et là, pour le son afro, on va partir sur une guitare que j'affectionne. Je pense que je la mets dans tous mes sons afro. C'est un peu compliqué. Ok, donc là, on a déjà nos accords. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une mélodie derrière. Et après, comme d'habitude, je vais transposer. Ça, ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit peu d'ambiance de la basse, etc. Et après, bah, je pense qu'on va passer au drums très rapidement sur cette prod. On va envoyer les... Bon, je cite personne, mais je connaissais des gars de Logobi là, comme ça toute la journée. Le beat afro, il est fait, on a fini de s'ambiancer dessus, on passe au beat drill. Là, on vient tout juste de finir la partie drill et bah je crois que l'instru est plié. On va juste voir les deux ambiances, voir si ça colle et ensuite bah, structure, mastering, tout ça. Et puis on se voit à la fin pour le rendu final. Bon, on démarre la semaine avec une bonne petite vibe Afro Drill. J'espère que tu as kiffé l'épisode. Un pouce en l'air, un commentaire, partage. Si c'est pas fait, abonne-toi.
Et n'oublie pas le jeu concours, la prod est dans le dossier, télécharge-la, fais ton freestyle, et puis voilà. Allez, on se retrouve demain pour le jour 9, et je pense que le jour 9, ça va être plutôt doux. Je n'en dis pas plus, mais ça va être plutôt doux.